السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم تصحيح ديال مباراة كلية الطب والصيدلة بوجدة سنة 2016. الجزء الأول غادي يكون مخصص لمادة الفيزياء، الشرح هنايا غادي يكون باللغة العربية، والتقديم ديال التمارين ديال هاد المباراة غادي يكون بالفرنسية باش تكون استفادة ديال الجميع، سواء الناس ديال الخيار العربية وسواء الناس ديال الخيار الفرنسية. إذن على بركة الله. بغيت نشير فقط قبل البداية هو أن استعمال الآلة الحاسبة فهو مسموح به في هذه المباراة. طبيعة الحال المباراة ديال 2016، لأنه جميع الأسئلة فما كاينش فيها مساعدات ديال الحساب. Question 11. Lors de l'établissement du courant dans le circuit représenté dans la figure suivante, on a relevé l'évolution de la tension bande de la résistance et on a obtenu la courbe représentée dans la figure suivante. Donc, elles ont donné la tangente à la courbe à la santé égale à 0, la force électromotrice E et la valeur de la résistance R. Donc, on a 5 affirmations. Donc, nous vérifions comme ça. لقاش الأغلبية كانوا كيطلبوا بأنني نجاوب على السؤال الصحيحة السؤال اللي خطأ، دونك غادي نفيريفيو كلهم ونعطيو اللي كانوا خاطئين غادي نعطيو تا الجواب الصحيح ديالها. إذا أفيرماسيون أ، لا تونسيون بون دو ريزيستور إي ديسكونتينو، دونك نورمالمون هاد لافيرماسيون لي فوس. دونك عندنا جوست أفون لافيرماتور ديال الكورون، باردون أفون لافيرماتور ديال الانتيرابتور، يعني لانستون تي موان زا، نورمالمون اي الكورون مازال ما دايش، وبالتالي هنا اي انكالا زيرو، دونك دابخي لا لوا دوم عندنا يو ار انكالا ار فوا اي اللي هي انكالا زيرو. جوست ابخي تا هي مازال الكورون يلا بيبدا، دونك هنايا حتى هنايا جوست ابخي لا فيرميتور ديال كا، دونك اي زيرو بلوس انكالا زيرو، دونك اوسي دابخي لا لوا دوم عندنا يو ار انكالا زيرو. دونك هنايا لا تونسيون في افون la fermeture et après la fermeture de K, hein, il est égal à 0. Donc, la tension UR, elle est continue. Donc, à l'instant T, égal à 0. Donc, l'affirmation A, elle est fausse. Pour l'affirmation B, la tension borne de la bobine, elle est continue. Yani, wesh dela montasela à l'instant T, égal à 0. Donc, on vérifie. Donc, à dire, elle est fausse. Donc, en avant la fermeture du circuit, elle a déjà, ma kinch courant, ma kinch des oiseaux, donc, elle a UR. L'instant 0 moins égal à 0 ou ULTIA l'instant 0 moins égal à 0. Donc juste après juste après la fermeture, donc il y a l'instant T0 plus, la loi de diffusion des tensions toujours à quel que soit T UR plus UL égal à E. Donc on va appliquer la loi à l'instant A. Donc il y a UR 0 plus plus UL 0 plus égal à E. عندنا يو ار قلنا مع يو ار ما سون ايغو، دونك هنايا هادو عندنا التونسيون يو ار هي لي كونتينيو، دونك يو ار 0 بلس ايغالا 0. دونك هنا تي 0 بلس عندنا يو ار ايغالا 0. دونك اش بيبقى لينا الى عوضنا يو ار ايغالا 0 فتبقى لنا يو ال ايغالا او. الوغ دونك عندنا جوج ديال دونك افون لا فيرميتور عندنا يو ال ايغالا 0، ولكن جوست ابخي لا فيرميتور يو ال ايغالا او. دونك هنايا هاد لا فونكسيون راهي لي discontinue, mais je continue. Donc l'affirmation B elle est fausse. Proposition C. En régime permanent, la densité de le courant vaut 50. Ou même chose, nisbel D. En régime permanent, la densité égale à 60 mA. Donc on vérifie C et D. Donc pour vérifier C et D, il suffit d'un chauffe-eau. Le régime permanent, on a dit la valeur de l'UR, qui est 5 volts. Donc, on a 5 volts, on va appliquer la loi d'Ohm, UR égale à R fois I. Moi, je vous dis que c'est un I. Je vois, je suis à 4. Donc, R est correct. Mais c'est C, c'est une affirmation correcte. Donc, le régime permanent, on a d'après la courbe, UR, le régime permanent, il est égal à 5 volts. Maintenant, donc, d'après la loi d'Ohm, on a UR égale à R fois I. Donc, une connais de I, lié 5 sur 100, lié 0,05, lié 50 milliampères. Donc la proposition C, elle est correcte. Mais c'est pas la proposition T, elle est fausse. Donc proposition T, c'est faux. La cache I égale à 50 milliampères, mais chez 60. On va prendre l'affirmation E.
en régime permanent, la tension en borne de la bobine il est égale à 0. Donc, à vérifier. Donc, à dire elle est faux. Donc, elle a normalement en régime permanent, elle a UR flamme finie, elle est égale à 5 volts. On va appliquer la loi d'adivité des tensions. Elle a UR flamme finie plus UL flamme finie égale à E. Toujours, elle a dire elle est valable, quel que soit T. Donc, elle a radiage de UL, elle a UR, elle a E, donc E et donc UL flamme le régime permanent égale à E moins UR flamme finie. Donc elle a UR flamme finie c'est 5, elle a UL flamme finie E c'est 6, donc il y a 1 volt. Donc elle a normalement c'est différent de 0, donc l'affirmation elle est fausse. Question 12. On prend les mêmes données de la question 11. Donc on cherche l'énergie maximale emmagasinée dans la bobine. Donc soit A, B, C, D ou la E. Donc normalement l'expression, donc calcul de l'énergie maximale emmagasinée dans la bobine. Donc l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine, il y a E magnétique égale à 1 demi LE au carré. Problème est là, donc elle a déjà une I, Ralkina est 50 milliampères. On a le problème de BF L. Donc je joue de L. Va dire sna L, va dire sna petit r, la recherche est née à 210 inconnus. Donc elle n'a gagné IRA à 50 milliampères. Le problème, on doit chercher la valeur de petit r ou de L. La recherche est née L, il est bien je dois, je dois mon taux. Taux égale à L sur R total. Ou R total fait grand R ma petit r. Donc sna l'aime d'un jeu de petit r et l'oula. Alors je dis que ça, d'un jeu de grand L. Donc on a un régime permanent, donc même je veux de petit r, il suffit d'un autre la valeur de l'i, le régime permanent. On a l'expression de l'i, il y a E, la R total, donc elle est à 50 milliampères, il y a 0,05, donc elle a le petit r, il est égal à E sur i, moins grand R. Donc on a le calcul, nous donc, on a réagi détaillé le calcul, donc on a c'est il y a 120 moins 100, il y a 20 ohms, donc elle a le petit r égal à 20 ohms. Donc, maintenant, je vais donner petit L, de quel grand L. Donc, on a l'expression de taux. On a taux, normalement, il y a L à la R plus petit R. Donc, il y a L, il y a taux fois le R total. Donc, le taux, on a normalement, on voit, d'après la courbe, on a au régime permanent, on a dit la valeur du régime permanent. Donc, on a l'asymptote, on a l'intersection de la tangente, le catatina, il y a 10 millisecondes. Donc, ton L est 10 millisecondes, il y a 0,01 secondes. Donc, on a donné le calcul. Donc, L égale à 1,2 Henri. Donc, maintenant, donc, on a L. Donc, on peut faire l'énergie magnétique emmagasinée sur le régime permanent. Donc, on a donc I égale à 0,05 ampères ou L égale à 1,2 Henri. Donc, on a le EM égale à. Donc, le dernier calcul, donc, à ce qu'il y a 1,5 10 moins 3 joules, il y a 1,5 millijoules. Il y a la réponse C. Question 13. On lance un projectile de masse grand M d'un point O vers, avec une vitesse VO faisant un angle alpha égal à 53 degrés avec l'horizontal pour atteindre un objectif P. Donc l'objectif P situé au même niveau horizontal est atteint 38,1 secondes après le lancement du point O. Donc on néglige la résistance de l'air, on prend G égale à 9,8 et que l'on considère constante. Donc on cherche la valeur de la vitesse du lancement, donc au point O. Donc normalement, on calcule de VO. On a l'équation, on a VO. On a l'idée qui est écrite, c'est que on a ce qu'on a fait ici. On a les données du point P. Et normalement, les données du point P, on a le point P, il est atteint après 38,1 secondes. Donc on a fait ici. On a fait un Y égale à 0 fait le point. Donc, on a besoin de VO, il suffit de faire l'équation de Y. لحقاش انا ايغريك عارفه و تي عارفه دونك نقدر نجبد لا فيتاس ديك الساعه الا بغيت دونك هنايا ليكواسيون دو لا في دو موفمون سويفون ايغريك هي هادي هي ان دومي موز ان دومي جي تي كاري بلس في زيرو سينوس الفا فوا تي دونك هنايا او بوان بي ايغريك ايغال زيرو دونك غادي نغومبلاسي ايغريك هنايا بزيرو
وجبدو التاي دونك التاي انا غادي نسامبليفيو بوحده دونك بيان سور هنا راه كاينه سوا تي ايكال زيرو سوا تي اللي بغينا حنايا هنايا دونك هنايا نورمالمون راه كاين دو سوليسيون لحقاش لا كورب راه كدوز من هاد من او تال او ومن بي دونك عندنا لا بروميير فالور هي ديال فاش كتلونسا من او يعني هو لانستون زيرو ولا دوزيام فالور هي فاش كتوصل لبي هي اللي 38.1 سكوند دونك حنا بغينا في في او دونك غادي نجبدوها من هاد ليكسبرسيون اللي هي جي تي على دو سينوس الفا دونك لو كالكول هنايا كيعطينا هي 233.76 متر بار سكوند ا بوبخي سي 234 متر بار سكوند اللي هي لا ريبونس بي. كيسيون 14 Donc, on prend les mêmes données de la question 13. On choisit comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le niveau horizontal passant par O et P. Donc, à normalement, on a deux vérifications. Soit on a la distance OP ou là, l'énergie potentielle. Donc, on a une chauffe A et P. Donc, détermination de la distance OP. Donc, on a la distance OP. عندنا غادي نخدمو بليكواسيون دي موفمون لحقاش هي اللي كاينه سويفون اكس وعندنا تي دونك غادي نحسبوها دونك اكس دو تي عندنا هي في او فوا كوسينوس الفا فوا تي دونك عندنا في لانستون تي ايكالا 38.1 سكوند عندنا اكس ايكالا او بي الوغ هنايا غادي نغومبلاسي عندنا ديجا في او عندنا دونك الكالكول هنا كيعطينا هو 5365 متر ماشي 200 يعني خاصها واحد خاص تكون 5 ماشي 2 هادي هنا راه هو الدوبل ديال هاد لا ديستونس انت هاد لا فالور ديال شتوها راه هي الدوبل ديال هادي دونك لي زافيرماسيون ا اي بي سون فوس بقى لينا دابا نفيريفيو سي دي اي او دونك لينيرجي بوتونسيال شنو هي دونك باغ ديفينيسيون لينيرجي بوتونسيال هي لا ماس فوا جي فوا زد يعني زد موان زد او هاد زد او هي ديال يعني Z de référence, Z de référence et Z de haut est égal à 0. Donc, on a Mg fois Z. On a pris la hauteur maximale. Pour que nous sachions la hauteur maximale, on va remplacer. Donc, on va chercher la hauteur maximale. On a EPP égal à MgH. Ou on a la hauteur maximale, l'expression de Y la flèche, yani flèche de la masse, il y a des nombres qu'on peut avoir dans les formules. يعني ما عندكمش الوقت باش انا كنت فوت ديمونتريون دونك اش دونك هي في نون في 0 او كاري سينوس الفا او كاري سور 2 جي انا غادي نغومبلاسي وهنا كتعطينا تقريبا هي 1781.86 متر دونك من الى غومبلاسينا هادشي غتعطينا هي ام جي اش هنا لا ماس ما عندناش دونك هنايا راه لينيرجي بوتونسيال غادي نكسبريمو يعني غادي نعبرو عليها بدلالات هاد لا ماس ام دونك غادي نخلي ام بوحده وندير الحساب ديال جي فوا اش دونك جي فوا اش كيعطينا هو 17462 اللي هي 1 فيغول تقريبا 75 10 على بيسونس 4 فوا لا ماس ام اللي هي لا ريبونس سي دونك لا ريبونس هنايا هي سي دونك كيسيون 15 On prend les mêmes données de la question 13, on laisse constante la vitesse vero, On fait varier l'angle alpha entre 0 et 90 degrés pour les propositions A, B, et C et D. Donc pour eux, on a une autre condition. Donc, on va vérifier les propositions de A tel E. Donc, on a la première proposition, la vitesse en P dépend de alpha. Donc, on va voir. On a l'équation, donc on a un moment de la vitesse. En un point, il y a Vx carré, il y a la racine carrée, il y a Vx carré. Plus vy au carré. Donc, on dit, on a vx, on a l'équation de vx, on a l'équation de vy. Donc, on a t le point p. Donc, on a exprimé vy ou vx, donc on a indépendant du temps, donc constant. On a l'expression de t au point p. On remplace ça, on a une chauffe, on a le dépend de v, donc. واش دي واش دي بوند دو الفا ولا لا ديك الساعه غادي يبان لينا واش في واش دي بوند دو الفا ولا لا دونك هنايا لا ماس ام اتان لو بوان بي على انستون
à l'instant t tel que au point P, on a y égale à 0. Donc, d'après l'équation du mouvement, on a y de t égale, donc, qui m'a donné la dernière question. Donc, on a de t, on a l'expression de t, et on a de v, on a l'expression de t. Donc, on dit t, il y a 2v0, ou le vo sinus alpha à l'g. L'expression, on va remplacer vy. Donc, alors, on a, donc, on a vy, il y a moins gt plus v au sinus alpha, donc il y a moins g fois t, il y a 2 v au sinus alpha sur g, plus v au sinus alpha. Donc on simplifie par g, parce qu'il y a moins 2 v au sinus alpha, plus v au sinus alpha. Donc là, il y a vy, l'instant, le point P bien sûr, il y a moins v au sinus alpha. Maintenant aussi que vx, il y a v au cosinus alpha. Donc on je veux d'abord vy. Donc, je veux V, pardon, je veux d'abord VP, il y a la racine carrée de VX au carré plus VY au carré. Donc, si on remplace, on a, donc, elle est VO sinus, on a dit VO cosinus, donc, notre praline, pardon, on a des animations perturbées. Donc, on a VP, il y a V carré cosinus carré alpha plus VO sinus au carré sinus carré alpha. Donc, il y a VO au carré, VO au carré facteur de cos carré plus sin carré, il y a 1. Et après, les cachets, la racine de VO au carré, il y a VO. Alors, il y a qui met qui veut dire qu'on a VP, il est égal à VO, il est indépendant de alpha. Qu'est-ce que je veux dire qu'on a alpha? Un VP, il y a la vitesse, il y a la norme de la vitesse initiale. Donc, il y a la proposition A, elle est fausse. L'affirmation B, l'accélération du mouvement varie, donc bien sûr elle dira elle est fausse. La prochaine elle est constante, elle est égale à moins g, l'accélération est constante. Affirmation C, la hauteur maximale garde la même valeur, donc normalement on est elle est fausse. La prochaine, la hauteur maximale elle dépend de alpha. Elle a dit l'expression de Knejbna, donc il y a V au carré sinus alpha au carré sur 2g, donc là il dépend de alpha, il dépend de VO. Elle est VO constante, donc là il dépend de alpha, la varie alpha, la HTF varie. Affirmation D, la distance OP garde la même valeur. Elle dit elle est fausse, la distance OP elle dépend de alpha. L'expression de OP est VO au carré. Fois sin, il y a la portée, hein, le mada, c'est l'expression en dialogue, il y a VO au carré, sinus 2 alpha, sur G, bien sûr, il y a pour x0, yani x initial égal à 0, ou y initial égal à 0. Il y a qu'un y initial, il y a la hauteur, à chaque fois qu'il y a la classe, pour x égal à 0, x0 égal à 0, y0 égal à 0. À retenir les propriétés de la trajectoire, ce qu'on a ordonné. N'est-ce pas la dernière affirmation? On garde la valeur de l'alpha ou de V0 constante. Donc, dans ce cas, l'altitude maximale atteinte est la même pour un projectile de masse m égale m' égale à 2m. Bien sûr, R est correct. La hauteur maximale est indépendante de la masse. Comme on a H, là, il y a la flèche, mais qui ne fait pas l'expression de la masse. Quelle que soit la masse, on a la la masse. Question 16. Choisir la bonne réponse. Donc, on a 5 affirmations. Proposition 1. Lors de la diffraction, la fréquence de l'onde change. Bien sûr, non. On a dire là, c'est faux. La fréquence de l'onde ne change pas. Reste dima constante. Alors, tu comme exemple, maintenant, la diffraction. Donc, là, tu peux la fréquence. C'est la couleur. Donc, là, on dit que le rayon laser rouge. Alors, il y a la diffraction. Alors, il y a des taches rouges. Donc, là, on dit que l'onde. La proposition elle est fausse. Affirmation B, dans un même milieu, lors de la diffraction, la célérité de l'onde est modifiée. Au CNR, elle est fausse. La diffraction, les propriétés de l'onde, mais qui est.
donc garde les mêmes propriétés. Alors là, les ondes mécaniques, elle a l'objet mécanique, parce que tu as d'ailleurs le fluide, elle garde la vitesse, elle garde tout le monde. Donc, il n'existe pas de radiation lumineuse en dehors du domaine du visible. Dans des séphores, il y a d'autres radiations, comme les rayons X, l'infrarouge, etc. Donc, les ultraviolets, donc il y a donc ces fois l'affirmation. Affirmation D, lorsqu'une radiation lumineuse se réfracte, sa longueur d'onde change bien, sera dire correct. Mais quand on a la réfraction, on a comme un indice de réfraction, ou lambda 0 sur lambda. Donc, on a le milieu, là, on a lambda égale lambda 0 fluide, elle a N. Donc, au moment où on a que nous obtenons de Rayleigh correct. La dernière affirmation, il reste combien sur force? Donc, lors de la propagation d'une onde progressive périodique le long d'une corde, la périodicité temporelle n'est autre que la périodicité spatiale. C'est-à-dire, la faux. Elle a la périodicité temporelle, elle a la dimension d'un temps. Il y a des secondes, elle a des millimètres. Donc, ma kaina tach ala alaqa binatou. Donc, elle dit c'est faux. Question 17. Un oscillateur mécanique horizontal, un corps solide ressort, est formé d'un corps solide S de masse M égale à 125 grammes. Le centre d'inertie G est fixé à l'extrémité libre d'un ressort à spire non jointif de masse négligeable de rideau K. L'autre extrémité du ressort est fixée à un support. On repère la position de G à chaque instant par l'abscisse X. Donc par l'abscisse X dans le repère OI, on néglige les frottements, on choisit la position X égale à 0 de G ressort non allongé. Donc comme référence de l'énergie potentielle élastique. Donc, et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la courbe ci-joint représente l'évolution d'LEP en fonction d'LX au carré. D'ailleurs, on demande de déterminer la période propre de l'oscillateur. Donc normalement, donc, détermination de T0. Donc, on a pour déterminer T0, on a l'expression, on a les données, on a la masse, il y a 125 grammes, il y a 0, 125 kg, ou on a la courbe, elle est l'énergie en fonction de x au carré. Donc, on sait que T0 est égal à 2π racine de m sur k. Donc, on a m, on a k. Donc, le k, on a de la courbe. Donc, k, une inconnue. Donc, détermination de K, on sait que l'expression de l'énergie potentielle élastique est 1 demi K x au carré. Les homogènes de la droite, il y a une sous-forme de Y égale à A x. Le x est né au x carré, Y au EPE. Donc, comme deux méthodes, soit vous prenez une valeur de l'EPE, ou je n'ai la valeur correspondante de x, je vous dis que c'est le K directement. Et il y a rien de dire comme ça. Ah ou là, tu as la pente, la pente, comme dire à la droite, il y a un demi k. Tu as la pente, ou d'abord à juge, tu comme dit que c'est la valeur de k. Voilà qui. Vous devez faire attention les unités. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va dire le delta EPE, le delta x carré, c'est-à-dire ce qu'on veut 10-3, on a 10-4. Mais qu'on est homogène, sinon, on a un comme un chichata. Donc, on a un dire comme tarique simple. Donc, on a k égale à y 2 EP E sur x carré. Donc, on a deux valeurs, mais la courbe, la yuhda kafia. Donc, d'après la courbe, on a EP E pour x carré égale à 2 cm carré, il y a 2 10 puissance moins 4 mètres carrés. On a le EP E donc pour 2. Alors, EP E égale à 2 millijoules, il y a 2 10 moins 3 joules. Et donc, vous faites le calcul, donc il y a 20 newtons par mètre. Donc, il y a 20 newtons par mètre. Après, on remplace T0. Donc, il y a la masse, il y a depuis la racine de la masse, il y a 0, 125 kg, c'est comme le kilogramme. Elle a K, il y a 0, à peu près 0,497 secondes, il y a à peu près 0,5 secondes, il y a la réponse C. Question 18. On prend les mêmes données de la question précédente, question 17.
Donc pour un point d'abscisse x égale à moins 1 cm, la norme de la vitesse de G est. Donc on cherche la valeur de la vitesse. Donc on a le droit de faire les équations horaires tant qu'on a l'énergie. Donc je vais faire l'énergie, il suffit de faire la conservation de l'énergie mécanique. Donc on va faire la conservation de l'énergie mécanique pour trouver l'énergie cinétique. Ou là, on a l'énergie cinétique pour x égale à moins 1, donc on va la vitesse. Donc, d'après le théorème de l'énergie mécanique, on a En, l'énergie mécanique, qui se conserve bien sûr, égale à EC plus EP fois l'instant donné. Voilà, elle est égale à l'énergie potentielle maximale, égale aussi à l'énergie cinétique maximale. On a besoin, l'énergie potentielle maximale, on a. Donc, l'énergie potentielle maximale, on a il y a 4 millijoules. Donc, on a fait un petit. Je vais la courbe, c'est l'énergie maximale ou x max. X max au carré normalement. Donc, je vais nous donner EC, donc EPE max moins EPE. Donc, pardon, c'est les animations. Donc, d'après la courbe de l'EPE, EPE max est 4 millijoules, il y a 4 10 moins 3 joules. Ou pour x égale à moins 1, il y a, donc x au carré, il y a 1. Donc, là, c'est la même chose. Donc, EPE égale à 1 millijoule. Donc il y a 10 moins 3 joules. Donc l'énergie cinétique, c'est la différence des de deux, il y a 3 10 moins 3 joules. Donc on remplace CA. On a l'énergie cinétique qui est 1 demi MVG au carré. Donc c'est la racine de 2EC, elle a la masse. Donc on remplace. Donc il y a 2 fois EC, il y a 3 10 moins 3. Elle a 0,125. Il y a à peu près 0,219 mètres par seconde. Donc, on va 100 pour nous le centimètre. Il y a 21,9 centimètres par seconde. Il y a la réponse G. Bon, bien sûr, on a quasiment soit A, soit D. Voilà, qui est la principale du centimètre. Elle est valable. Donc, on a la réponse D, elle est correcte. Question 19. Donc le radian RA 226-88 se désintègre spontanément en émettant une particule alpha. Donc le noyau fixe est un isotope du radon. On donne demi-vide le radon et il y a 3,8 jours. Donc la particule alpha est composée de deux protons, deux neutrons et deux électrons. Et là la particule alpha c'est un noyau, mais un atome. Donc, il y a une affaire de protons ou de neutrons. Mais quand on a égal des électrons. Donc, on ne contient pas des électrons. Il y a des protons et des neutrons. Donc, vous faites attention. Donc, affirmation B. La particule alpha et la particule bêta moins portent des charges électriques de signes opposés et de même valeur absolue. Normalement, on a dit la charge est là, plus 2. On a deux protons. Ou on a dit, c'est un électron, faire moins 1, donc moins E. Donc on a dit, c'est faux. Donc on a normalement la particule alpha porte une charge liée deux fois supérieure à la charge de bêta moins. Pour C, elle est au bout de 11,4 jours. Le pourcentage des noyaux de radon ou 12 qui se désintègre en arsenal tout le baladi. C'est des les ma bqach yani li tahoul hachi li tahoul ماشي داكشي اللي باقي هادشي اللي تحول هو 12.5%. هنا واحد لا رومارك تقدروا تشوفوا تشدوا هاد لا دات اللي عطاكم هنا وتقسموها على هاد لا دومي في وتشوفوا الا كان انونتي راه مزيان غادي تنفعكم سينو تقدروا ديروا الكالكول ديريكتومون وهادي راه سي فو. Donc, vous pouvez faire le calcul directement comme ça, ou là, faire la remarque comme quoi, 11,4, il y a 3 fois T1,5. Ou là, quand 3 fois T1,5, le rapport égal 1 sur 2 à la puissance N. Ou N, il y a 3, il y a 1 sur 8. Il y a le calcul. Sinon, vous pouvez le calcul, vous pouvez faire le autorisé la calculatrice. Donc, il y a 1 sur 8, il y a 0,125, il y a 12%, 12,5%.
qui est non désintégré, dit machine désintégrée, un pourcentage de non désintégré. Alors on est à dire il est faux, à de l'affirmation il est fausse. Le pourcentage ne concerne les noyaux non désintégrés. Bratlina, affirmation D. Donc le noyau de radium est obtenu à partir d'une suite de désintégration radioactif alpha et bêta moins du noyau d'uranium. Au cours de ces désintégrations successives, deux particules alpha et deux particules bêta moins sont émises. Donc, on va dire que c'est faux. Donc, il a tout l'équation de la réaction. Normalement, on a trois noyaux alpha ou deux, pardon, trois particules alpha ou deux particules bêta moins. Donc, il a généralement vérifié un NIA à 17. لازلنا على 88 وتعطينا هي 94 الى حيدنا منها 2 وتعطينا 92 نفس الشيء هنايا غادي نضربوها في 4 في 3 هي 12 الى زدنا على 226 تعطينا 238 دونك هذه هي ليكواسيون كوريكت دونك دي سي فو دونك بقى لينا كو او اللي هي توت لي افيرماسيون بروبوزي سون فورس. Donc pour la dernière question, un condensateur de capacité C initialement chargé est relié à un résistor de résistance R égale à 100 kΩ. Donc attends, on a l'évolution de la charge en fonction du temps. Donc attends, on cherche la valeur absolue de l'énergie dissipée par effet joule de la résistance entre T1 égale à 0 ou T2 égale à 5 secondes. Donc elle est proche de. Donc elle est normalement l'énergie à dissiper il y a des choses reçues par le résistor, il y a des choses les frais du condensateur qui atteignent la résistance. Donc normalement il y a la variation de l'énergie mobile 0 ou 5 secondes. Donc on dirait il y a delta EC, pardon, delta E électrique mobile à les deux dates. Donc l'énergie dissipée par effet joule, il y a donc E joule, il y a la valeur absolue. Quand normalement 4 est négatif, le final 4 conserve l'initial. Donc il y a E électrique l'instant t égale à 5, moins E électrique l'instant t égale à 0. Avec N, normalement l'expression municipale de la charge, l'énergie électrique, il y a 1 demi Q au carré sur C. Il y a le problème, il y a un C. Donc il y a un problème, il y a un C. دونك باش نجبدو السي خصنا نجبدو الطو. دونك باش نجبدو الطو عندنا غادي نحسبو دونك في لا ديشارج هنايا راه كتكون عندنا المهم كي في لانستون تي ايكالا طو راه ايكالا 0.37 كي في لانستون انيسيال. دونك دابخي لا كوب عندنا كي في لانستون تي ايكالا طو ايكال هي 0.37 كي 0 au cas où il y a 2,5 millicoulombs. Donc à chaque carré 0,92 millicoulombs. Donc la machine a un clé voilà 0 carré ben il y a dit donc pour Q égal à 0 carré 92 millicoulombs et il y a dit carré ben donc il est donc le temps d'ailleurs il est égal à 10 secondes. C'est bon. Alors, donc, notre taux égale à R fois C. Donc, le kinège de C, il y a taux à la R, il y a 10 à la 10, à la 100 fois 10, 3, il y a 10 moins 4 farad. Donc, à NSC, voilà, il y a 10. Alors, il y a E électrique, l'instant 0 ou l'instant 5. Donc, l'instant 0, il y a 1,5 Q1 au carré sur C. Donc, Q1, il y a 2,5 millicoulombs, il y a 10 moins 3. Au carré sur 10 à la puissance moins 4, il y a 1 sur 32 joules parce qu'on avec une bonne précision. Au l'autre, il y a donc Q2, l'instant il y a 1,5 millicoulomb. Donc il y a 9 sur 800 joules. Donc il y a donné la différence, bien sûr, elle est trop positive. Donc je vais le tourner. Normalement, il y a 0, il y a 5. Donc on a déjà mon air le plomb, je compte positif. Donc on a 1 sur 50, il y a 0,02 joules, il y a 20 millijoules. Il y a la réponse A.
كنت نكون سالينا تصحيح ديال الجزء الاول من مباراه كليه الطب والصيدله بوجده سنه 2016. اتمنى لكم التوفيق والله يعاونكم.